Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le matin, on est en bateau. Il y a Antoine juste derrière, je sais pas si vous le voyez, tac, qui est en flotte. Il est venu passer 3 jours, donc on a 3 jours de pêche où on va chercher du brochet, de la perche, du cendre. On va essayer de s'amuser, de faire un maximum de poissons et on vous emmène avec nous. On va chercher, bah, comme j'ai dit, du cendre, de la perche, du brochet au leurre. Aujourd'hui en bateau, demain on verra, on sera en bateau dimanche. On va s'amuser, on va faire plein de poissons j'espère. Et là on est le matin tôt, on va commencer peut-être à chercher du brochet vu qu'il fait brumeux comme vous voyez derrière moi. La nuit a été pluvieuse donc pas trop clair cette nuit, on va essayer de voir si on peut pas faire du brochet. Et après quand le soleil va se lever, les perches vont se réveiller et elles vont se rassembler un peu, les boules vont se rassembler un peu plus et on va essayer de faire du poisson sur ces boules là. Allez, c'est parti. Poisson au crank, c'est gros, je suis en 30 centièmes, non c'est pas si gros que ça, c'est joli, coffret, hésite épuisette parce que, ah non il est piqué par le dessus, mais il y a le fluo qui passe dans sa gueule, putain, yes. Ouais Brock, je sais pas comment il s'est piqué, ah il s'est décroché tout seul, parfait. C'est la patate. Il y a un petit rocher. Je voulais pas qu'il tombe. Bon, il a claqué un peu à la surface, mais il est reparti. Bon, joli petit poisson. Qui fait plaisir. Donc j'étais au crank là. On s'est dit, on va faire un peu de crank. Je passe au crank, je fais plusieurs passages. Ça faisait une quinzaine de lancers. Bam, gros arrêt. Bon, on n'est pas très profond. On est dans allez, 4 mètres d'eau. Le crank descend à 3,54 mètres, donc comme on lance pas très très loin, il a pas trop le temps de descendre à sa profondeur maximale, donc il descend vers 3 mètres, 3,50 mètres, et gros arrêt en plein milieu et bam, pendu. Yes, ça fait plaisir. Bon bah on continue hein. Poisson. Ouais, perche. Au crank. Oh, ça fait bec TL. Une jolie petite perche. Elle est défoncée de partout, elle. Ah, elle est jolie en plus. Ah, bah ça c'est des perches, ouais. Si tu veux faire des perches, viens par là. Hein. Ouais. Maxi, il est arrivé, il a appuyé sur le point GPS sur le moteur. Le moteur est arrivé pile à l'endroit, il a descendu la cuillère, il a foutu 3 coups de jig, boum, il a fait sa perche. Allez, on y met dans l'épuisette pour éviter de faire peur aux autres. A loupé. Montage d'un petit drop shot, ça fait longtemps que je ne l'ai pas montré. Un petit hameçon VMC,
Ils sont bien ceux-là, je les aime bien pour le drop shot. Hop. Je vais mettre au vert, donc je vais mettre pas trop loin du fond. Tac. Donc je prends, je fais une boucle, je remonte mon hameçon et je passe deux fois dedans. Hop. Tout simplement. Ensuite, je viens mouiller. Et je viens serrer. Tout simplement. Hop. Et mon hameçon est placé bien droit. Ensuite, on va prendre un petit plomb drop shot. Je vous en ai déjà parlé, mais la petite boîte Caperlan. Franchement, pour les plombs drop shot là à 5 euros, toutes les tailles, vraiment pas mal. Tac, le plomb, je le mets, je clip. Ensuite, je prends des vers de terre et on est parti. Ils sont blanches. Ils sont blanches quoi. Aïe putain. Ouais. Ce placard. Rotangle, mais gros. C'est correct ça. Non, mon bois GPS. Bah quoi. Ouais. Et deux coups de jig, bam. Il est parfait. Quoi? C'est décroché? Ouais. Allez, montre-la moi. Ouais, pas la 40, je pense. Pas la 38. Petite. La petite. Ouais, joli poisson, hein. Je vais laisser dans la bourriche. Ouais, ça, la bourriche. Avec un petit verre, voir ce que ça donne. Oh, bien. Puisette ou? Je trempe le pontage. Bon, cette fois, elle est de ce côté. Ça commence à être lourd dedans. Une heure, deux heures. Oh, tu te démerdes avec les bisettes là. Ouais, bon. Ouais, pas grave. Ce rotangle, ce placard que je t'ai fait. C'est une location là? Déjà? Mais c'est complètement mort. Vas-y, non, je la prends. Vas-y. Ah oui, c'est correct. Là. Ah oui. C'est un peu plus correct. C'est un bout de viande le truc. C'est une perche. C'est un bout de viande, hein. Non, c'était un bout de viande, mais il n'y a plus rien. Et là, je te jure, il y avait, c'était vraiment un bout de viande le bordel. Sinon, je vais mettre des vers de terre là. Ouais, c'est ouvert. Touche. Oh, coupé. Coupé. Eh ben voilà, plus la cuillère à jiguer. Ah, ah. Ah, ben là. Ah, ça me saoule. J'ai parlé de ne pas me faire couper aujourd'hui. Ah, là, j'ai plus le moral là, c'est bon. Ouais. Putain de broche, je suis mignon.
Je suis blasé, c'est bon. On en reçoit en novembre. Ah, novembre. On va pouvoir enfin être avec les coups. Parfait. Putain.